La visite était non seulement de remercier, comme on le dit, remercier le ministère du Sport et de l'Enseignement supérieur, également faire le point sur certaines inquiétudes et quels sont nos projets pour contribuer au développement du sport malien. Oui, nous avons passé 5 à 6 ans au Venezuela sur le sport. Nous sommes un groupe de 37 étudiants. Nous avons étudié en physiothérapie, c'est-à-dire la médecine sportive. Nous avons des professionnels qui sont des professeurs d'éducation physique, des entraîneurs sportifs, des agroalimentaires, etc. Tout ceci pour contribuer au développement du sport et amener notre diversité et donner un plus au sport malien pour que le sport malien soit au haut niveau encore. Le ministre est une personne très ouverte. Il a écouté, il a été présent et il a fait ses propositions également. C'est une personne très claire, très précise, mais très disposée à aider le sport malien pour qu'il arrive au niveau où il doit arriver. Votre dernier mot. Bon, remercier encore et j'espère qu'on aura cette opportunité d'apporter nos plus à ce pays.